Garlingari qui est deuxième. Et Rupp qui est sollicité par Stéphane Pasquier qui tente de venir à l'extérieur. Et c'est Jeanne Saga qui tente de passer maintenant sa pointe de vitesse avec le savoir-vivre qui a toujours le meilleur. Et Rupp qui s'annonce à l'extérieur avec le Jeanne Saga qui est passé en troisième position. Garlingari qui est battu. Savoir-vivre qui a toujours l'avantage à 200 mètres du but. Mais les finisseurs qui viennent à l'extérieur, c'est Jeanne Saga notamment. Et Rupp avec le savoir-vivre qui a toujours le meilleur. C'est Jeanne Saga qui vient l'attaquer. Savoir-vivre, c'est Jeanne Saga pour la victoire. Savoir-vivre, c'est Jeanne Saga. Savoir-vivre de bout en bout. C'est Jeanne Saga qui est deuxième. Et Rupp le troisième.